Ben aujourd'hui, je viens pour vous parler de ma énième commande sur le site iHerb2.com. Donc c'est un site américain pour celles qui ne connaissent pas et tout, qui vend et qui livre dans le monde entier des produits bio, des produits naturels, que ce soit pour le make-up, que ce soit pour l'hygiène, pour tout. Et c'est vraiment, vraiment génial. Donc en fait cette fois-ci j'ai reçu un code avantage et tout, je suis contente parce que ça me permet de faire partager voilà, à toutes les youtubeuses. J'ai jamais fait profiter à mes soeurs, à mes amis et tout, et donc je me suis dit pourquoi pas à vous mes chères youtubeuses et tout. Donc de toute façon sans code hein, vous avez moins 5% ou 5$, je sais plus, et quand vous avez le code je pense que c'est 10% ou 10$. Donc voilà, le code je le mets dans la barre info. Et donc comme je vous disais, je suis une dingue de ce site et tout depuis ça va faire déjà pratiquement un an et tout ça. Donc je n'avais pas parlé avant, donc je me suis dit ben, une petite vidéo pour en parler, sympa non. Donc voilà, pour celles qui savent, iHerb met toujours un petit présent dans les paquets, donc lors de votre commande met toujours un petit paquet. Donc là cette fois-ci j'ai reçu un stylo aux couleurs du site iHerb2.com, donc plutôt dans ce sens-là. Voilà, il y a un peu trop de lumière, donc vaut mieux ça que rien. Donc voilà, un stylo de plus dans mon sac parce que je suis aussi une dingue. Mon sac est gorgé de stylos, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc voilà, et soit vous avez des échantillons de thé ou de confiture, et encore cette fois-ci, c'est du thé. Parce que il y a quelques temps, j'avais reçu de la confiture, toujours de Saint-Dalfour. Saint-Dalfour, je sais pas si vous recevez autre chose, mais moi c'est souvent ça. Et c'est fabriqué en France. Il fallait que je commande aux États-Unis pour savoir que Saint-Dalfour se trouve en France. Mais malheureusement, les thés à fruits rouges, c'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. Je déteste ça. Fraises, framboises, cerises. Je le ferai peut-être goûter à ma mère parce qu'elle est dingue de thé et tout. Mais sinon, très peu pour moi. Donc maintenant pour vous parler de ma commande, en fait je commande toujours pour ne pas tomber en rade par rapport à mes produits de soins, mes produits d'hygiène. Donc je vais vous parler de Nubian Heritage. Ils le vendent aussi, pour celles qui ne savent pas et qui cherchent Nubian Heritage, ben iHerb vend Nubian Heritage. Donc vous avez les crèmes hydratantes, les gels douche et tout, et moi je suis une dingue des fins de savon. Donc moi je prends toujours celui-là. Ah oui, ce que je voulais aussi vous dire, c'est ça, ce que j'aime bien chez eux aussi. Donc tous les produits d'hygiène ou liquides et tout, c'est toujours ces petits sacs en plastique. Et j'aime bien, et depuis quand je voyage, je les prends toujours pour ne pas saloper ma trousse. Donc voilà, je pense que j'en ai plusieurs comme ça, et encore un plus, c'est vraiment génial. Donc moi j'utilise celui-là, donc Nubian Heritage et tout. Celui-là est en rupture de stock. Dès qu'ils ont réapprovisionné leur stock, j'ai été prévenue et j'en ai commandé deux, parce que maintenant je suis retournée voir, il y aurait de nouveau rupture de stock. Et voilà, donc c'est avec du shea butter et tout, du soy milk, frankincense et du myrrhe. Et myrrhe, c'est un produit utilisé à l'Égypte ancienne, en fait. Ça sent super bon. Ils utilisaient ça dans leur cosmétique, en fait. Vraiment, pour dire, l'Égypte, vraiment génial, quoi. Et donc, ils ont mis ça dans ce pain et ça sent super, super, super bon. Et en fait, Nubian Heritage et tout, comme ils disent Nubian Heritage, donc la Nubie, donc c'est tous des produits qui viennent d'Afrique, qui sont mis dans leurs produits. Vous avez le shea butter, le cocoa butter et tout, qui vient de là, et c'est 100% naturel. Et c'est comme ceci, vraiment comme ceci, un gros pain comme ça. Et ça sent super bon quand vous douchez et tout, et après quand vous sortez de là, c'est comme si vous étiez parfumé. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial, pour vous dire que dès qu'ils se réapprovisionnent, ils ne durent pas, quoi. Tout le monde est en attente. Donc à l'arrière, vous avez un peu l'historique de la marque, voire même spécialement de ceci, j'allais dire ce goût, mais bon, c'est pas un truc à manger et tout, de ce parfum, en fait, parce que vous avez différentes senteurs, et ils parlent un peu de là. Et comme je vous disais aussi, ils parlent aussi du myrrhe et tout, donc 1580 avant Jésus-Christ, vous imaginez. Et c'était utilisé, recipe, comment on dit encore en français, voilà, c'est ça le problème qu'on apprend les langues. Donc, ingrédients, voilà. J'aurais pu avoir ingrédients, mais non, me demandez-moi en anglais, j'allais me dire ingredient.
Ça se dit pas, c'est recipe. Donc, vous imaginez, je vois recipe, je cherche le mot en français. Bon, donc, ingrédients pour les masques, hein, et les produits cosmétiques, hein, vraiment l'ingrédient phare, quoi. Donc voilà, vous connaissez le shea butter, le cocoa butter, parfait pour la peau. Donc j'en ai commandé deux, parce que je pense que dès que je vous commande à partir de 2 ou de 4, vous avez un prix spécial, discount quoi, sur ça. Donc voilà pour celui-là. Et je passe à le Xyli White. C'est le dentifrice que j'utilise en fait, hein, et il est en grand format, et c'est un dentifrice naturel. Et donc c'est sans fluor, sans gluten, sans parabène, réduit la plaque, blanchit les dents, et ça a un goût frais, et c'est vraiment génial. Et ici, donc ils le disent, hein, gel dentifrice sans fluor, fluorure, pardon, remarquable fabriqué, principalement avec du xylitol naturel. Donc voilà, on est là. Il y a bien de gens qui disent oui, naturel, 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 mais il faut utiliser du naturel. Donc voilà, donc c'est un grand format. Et ça, je le garde vraiment longtemps, comme ceci. Voilà, donc j'en ai pour quelques mois comme ça. Et j'ai de nouveau commandé Vita Pro Fusion de Giovanni. En fait, ça, c'est des extensions et tout. Donc, pour ceux qui ne savent pas. Donc, je vaporise sur mes cheveux. Après, je vais mettre le Deep Conditioner pour avoir mes boucles. Donc, voilà. Il n'y a pas d'odeur particulière pour ce produit. Et ce qui est bien, ben voilà, c'est pour tout type de cheveux et tout. Voilà, ça prévient, ça répare le cheveu, les cheveux endommagés aussi, apporte vitamines et protéines et tout. Donc pour celles qui utilisent des fers à lisser ou des sèche-cheveux. Personnellement, je n'utilise pas de sèche-cheveux. Donc voilà, à part mon casque pour mes soins. Donc voilà, et je suis aussi une dame de bougies et ils ont cette gamme Aroma Naturals, ouais, voilà. Et celui-ci, c'est Meditation, Patchouli et Frankincense. Donc, le Frankincense qui a aussi l'élément qu'il y a dans le savon. Donc, vous l'avez aussi là et ça sent super bon. Et ça sent vraiment très bon. Ça sent les huiles essentielles comme ça, citronnelle, vix, menthe, comme ça. Et c'est très bien. Et ça, c'est plutôt bougie de voyage. Alors, quand je voyage et tout... Vous avez le couvercle et tout, donc j'allume, peu importe où je me trouve, j'allume et je me sens un peu comme chez moi. Donc voilà, j'en avais plus et donc je me suis dit que j'allais commander, c'était le dernier malheureusement, sinon j'aurais pris deux ou trois, mais bon, voilà, pour celui-là. Et le dernier, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, iHerbs vend les pinceaux Real Techniques et à un prix vraiment abordable. Donc le plus cher, il est à 9,99$ et tout, qui fait comme 7€ et des poussières. Donc vous imaginez, les autres sites, ils vous mettent ça, surtout chez les Anglais, purée, le livre est assez fort par rapport à l'euro, donc vous imaginez au prix où vous l'achetez. Donc celui-là, c'est le Stipple Brush, je l'ai pris pour compléter ma collection et... Donc voilà, je ne veux pas vous dire à quoi ça sert et tout. Donc c'était juste voilà, le Stipple Brush pour utiliser. C'est pour mon fond de teint, hein, pour mon fond de teint, pour le tester. Parce que j'ai celui de ELF et j'aimais pas trop. Je me suis dit que j'allais commander celui-là pour tester et aussi pour compléter ma collection. Donc voilà, je crois que c'est tout. Voilà, donc le code avantage dans la barre info. Et voilà, donc à suivre pour une autre vidéo. Restez belles.